a été élu, on a voulu travailler sur un projet de city-stade. Et puis c'est ensuite l'idée qui nous est venue de choisir un autre loisir pour les enfants. On a réfléchi sur une table de ping-pong, sur un terrain de molki et l'arbre à panier basket. Et on a voté l'arbre à panier basket. On a décidé de faire un arbre à panier basket pour toutes les personnes du village, de petits à grands. Ça va être un tronc en métal à peu près. Et ensuite, il y aura des branches. Et au bout de branches, et au bout de chaque branche, il y aura un panier basket. Donc il y aura des branches qui seront plus basses que d'autres. Et du coup, ça fera des paniers basket à différentes hauteurs. C'est une sorte de cabanon qu'on aurait mis dans le parc urbain et qui sera installé du coup en planche en bois pour les danseurs. On met de la musique et on peut danser, faire du hip-hop et n'importe quel type de danse. Je voyais plutôt un lieu un peu pas convivial, mais où ce serait surtout pour exercer notre passion. Bah, les JO à Paris, c'est quand même un événement qui n'est déjà pas courant. Et sur le territoire métropolitain, on va avoir pas mal d'activités, pas mal de sports, pas mal de lieux d'échange. Et je trouvais ça intéressant que les habitants de la commune puissent déposer un projet. C'est un one wall, c'est un mur contre lequel vous allez taper avec une balle en caoutchouc ou une balle de tennis avec la main.